Yo les gars, c'est Daskoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur. Yo les gars, c'est Daskoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter, les gars, ma collection de cartes Pokémon scellées. C'est parti, let's go! Bon les gars, je vous fais rapidement un tour de ma pièce gaming, mais c'est pas le but de la vidéo. Je reviendrai plus en détail peut-être sur une prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'est parti, let's go. Les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on s'ouvre un petit coffret qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, je vais commencer directement par Astre Radieux. Là, je pense que tout le monde connaît. Je vais passer ça assez vite. Ensuite, donc point de fusion. Hop, et j'ai aussi un tripack. Ensuite, j'ai de l'évolution céleste en tripack. J'ai adoré cette série. Voilà. Et un ETB en anglais. Alors là, une de mes séries préférées, les gars. Destinée radieuse, vous connaissez. Et ça, franchement, pareil en anglais, je l'ai aussi en française. Ça, c'était vraiment lourd. Très, très, très beau. En plus, j'adore le coffret, il est vraiment très, très beau. Ensuite, j'ai des tripacks, donc en star étincelant. Et j'ai aussi un ETB, mais cette fois-ci, bien en français. Voilà. Là, on passe sur une petite valisette de famille directement en soleil et lune. Et apparemment, dedans, il y a un booster XY. Voilà. J'ai aussi les cartes du McDonald's, donc les boosters qui sont sortis en 2021. Voilà, j'en ai trois en scellé que j'ai jamais ouvert. Ensuite, j'ai du Célébration. Donc le coffret Dracaufeu en français. Voilà, une petite tin box. Donc l'illustration, j'adore, hein, c'est ma préférée. J'ai eu de la chance de l'avoir parce que j'ai du mal à trouver celle-là. Ensuite, on passe sur les stickers, ça les anciens, vous connaissez, qui étaient sortis en 98, si je dis pas de bêtises. Et il y avait ceux-là aussi, ils sont sortis après. Alors le sticker, celui-ci, il est en français. Par contre, ceci, c'est de l'allemand. Voilà. Ensuite, j'ai réussi à avoir aussi le coffret Rosemary que tout le monde connaît. Vraiment sympa. Alors, ensuite, j'ai du GX, donc en Raichu. Très belle carte. Les gars, le meilleur pour la fin, normal. Je vous montre ça tout de suite. Dracaufeu GX. Hop. Magnifique. Bon les gars, j'ai aussi toute une pile de boosters. C'est parti. Donc je vais pas tous les énumérer hein, parce que bon, vous connaissez. Hein. Là c'est les 25 ans en japonais. Là c'est les V-Star. Hop. J'ai pas mal de japonais aussi. Alors voilà le petit coffret qu'on va s'ouvrir les gars, Arceus V. Déjà la carte là est juste
Magnifique, je pense que vous la connaissez. On a une petite figurine aussi avec. On a donc un booster star étincelant, wow, je vais y arriver. Un voltage éclatant, un autre star étincelant et un fusion. Point de fusion. Allez, c'est parti, let's go. Ok, il s'ouvre facilement déjà. Voilà, hop. Ok, alors déjà, moi je suis intrigué par directement la petite figurine. C'est la première fois que j'en vois une. Ok, c'est carré, c'est sympa. Ok, je vais vous montrer donc la première. Hop, en Arceus V. C'est parti, si j'arrive à la sortir, yes. Et franchement, elle est trop belle. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Alors. Ouais, c'est parti pour le premier booster. Du coup, on va commencer par quoi? Allez. Point de fusion, ou alors le plus ancien. Allez, voltage éclatant en vrai. Allez, c'est parti. Allez, j'en ai pas beaucoup ouvert de voltage éclatant. On va avoir un truc. Bon, les gars, je donne les codes cas où. Hop, j'ai celui-ci. Il y a celui-ci aussi. Hop, je crois que la manip sur voltage éclatant, c'est ça. Et je tape dans la caméra comme d'habitude. Hop, 9-9. Zébibron, Crémy, Reptacel. Ok. Watapic. Je ne sais plus comment il s'appelle. Noah, ok. Oh yes, les gars. Yes. Incroyable. C'est une V. Ok, une V en bleu. C'est parti. 3. 2, 1, let's go. Yes! Elle est belle en vrai. Daru Macho, ok, de Galar en V. Bah écoutez, hein, je prends. Elle est stylée. Bon bah déjà on commence sur une bonne ouverture. Hop. C'est parti. Ensuite on y va pour le point de fusion. Une fusion, j'en ai ouvert quelques-unes. Après, en vrai, point de fusion, ça m'a pas trop hype. Par le Mew, il n'y a pas vraiment de carte incroyable. Donc là, je m'attends pas à une dinguerie. Snobule. Un caillou. Une patte, ok. Chelours. Blocoton. Ok, elle est jolie celle-là en vrai. Fenor. C'est un Pokémon que j'apprécie. Ok, il y a R, à moins que ça soit une holo. Et ben, y a rien. C'est pas grave. Hop. Allez, c'est parti pour du star étincelante. Là, on est un peu plus hype. Évidemment. Hop. Allez. Qu'un artichaut, ok, j'avais jamais vu cette illustration encore. Luxio, Capoeira, Bassin de magma. Oh yes! Let's go! Ok, c'est une rare, les gars.
C'est un dresseur rare, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est une secrète, ouais, c'est une secrète, c'est ça. Avec le... Ok, la TG10. Ok, ben on a eu de la chance. Imaginez derrière une dinguerie. Ça serait incroyable. Ok, y a rien. Ok, mais on a eu des molosses, franchement, c'est déjà cool. Oh! Une holo. Castorno. Ok, franchement. Ok. Là, pour l'instant, j'ai pas mal de chance. Hop, on va mettre ça directement là-dedans. C'est parti. Voilà. Ok, bah, le dernier booster. Ok, le dernier booster, donc j'ai gardé directement l'illustration Arceus, c'est celle que je préfère. Après le Dracaufeu, bien sûr, on connaît. Bien arrivé, je vais pas arriver sur celle-là. Ok, l'ouverture est éclatée. Hop. Electek. Eoko, Tortibus, Trapnoa, Energy Fire, Boscara. Allez, dernier booster, c'est parti. Non, 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 c'est nul. Nul, en plus je l'ai déjà, nul, nul, nul. Bon, bah voilà du coup mes cartes. Bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse, hein. Pour une ouverture, surtout celle-là, du coup, c'est la meilleure. Hop. Et voilà. En tout cas, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si jamais vous voulez que j'ouvre quelque chose de ma collection du coup en scellé, vous me l'indiquez directement dans les commentaires les gars, n'oubliez pas de liker, d'abonner, etc. Vous connaissez, de vous abonner, etc. Blabla. Merci, à bientôt, bye.